Hello, comment nous y est? Alissa, cuisine dans quel aujourd'hui? Je ne veux pas pour te manger, moi pour te un remède naturel pour nous, mes amis. Ou bien tout le monde, ou même, ou bien tout le monde qui a une grippe là, ce qui a peut être toussé, ou toussé sèche, qui n'a pas qu'à sortir, pas une sa pièce là, qu'elle là. Je veux dire, nous venons une belle petite recette pour vous. Ou bien nous avons une violette, l'ail, sirop miel, ça c'est l'ail là, ok? Sirop miel, gingembre. Et puis encore, on a besoin d'un citron, on a besoin de muscade, ou qu'a gagne poudre dans tout, si vous gagne. Et puis ça, c'est, on a besoin d'un étoilé avec, poudre, avec un étoilé avec cannelle. Gingembre poudre avec un poudre, un cannelle poudre là, ça c'est bagaille optionnel, ou pas vraiment besoin de gagne. Si vous avez ça qui frais, ok? Ça c'est pour si vous pas ça qui frais. Et puis vous avez besoin yon qui a café girofle, ok? Et puis vous avez besoin poivre, ça c'est poivre là, montrez-nous là, ok? So qui ça vous pouvez faire avec tous les ingrédients ça? Vous pouvez laver citron, vous pouvez laver tous les ingrédients qui pour laver, t'as pour gingembre là, oignon violette là, citron, vous pouvez laver. Moi même ça fait moi pour ma caler là. Je vais te laver pam yo avant pour ne pas te faire vidéo déjà trop long, ok? And guys, I'm bringing a remedy today. It's for people who have cough and cold, like you know when you're coughing, the mucus still stuck in your lungs and stuff. This is gonna help you a lot of the mucus. So what you're gonna need, you're gonna need honey, pure organic local honey, garlic, onions. It could be the purple onions. You're gonna need a cinnamon stick and a star, one lime, black pepper, and one tablespoon of cloves. You're gonna need that, okay? So what you're gonna do, you're gonna wash all your limes and ingredients and stuff, slide them and add them to the pan, add 1 cup of water, a pinch of salt. Let it boiling for like 20 minutes, reduce the heat. And then once it's ready, what you're gonna do, you're gonna see everything. I'm just telling you because I might speak Creole and then you might don't get it. So let it, you see what I do now? Let it boiling for like 30 to 25 minutes, like reduce the heat slowly and then add your honey and then get a strain it. And then you're gonna have your little remedy, like your homemade syrup. Trust me, you're gonna get 1 teaspoon. Please. You're gonna drink that once. I mean, if you can give that to like if your baby is like 1 or 1 up to like 2, it's okay to give them a little like a teaspoon, once a week. That is very strong because you use all those onion and then ginger and all that things. So if it's you like a adult, you're gonna get like 1 tablespoon twice a week. Trust me, all the mucus is gonna come out. It will help you a lot because when you go to the doctor and things, they give you things, okay, just to get the symptom. But the mucus, some people they still have the mucus stuck in there. So we're gonna have to show you, we're gonna have to take care of that, okay? So kunyala. Ça, c'est un oignon que m'a braché, citron m'a coupé, j'ai mis la cannelle la bouillie avec girofle là avec gingembre. What I did, guys, I already add my ginger, my cloves, my cinnamon stick, and it started boiling in the water. So now I just chop my garlic, my onions, as like my lime, and I'm gonna add them in there too. And I'm gonna, don't forget to add a pinch of salt in there too. So, pour nous la mettre tout bagaille dans de l'eau pour les bien bouillir, pour le réduire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pendant la bouillie, on va faire un petit descendu. Il y a ça, c'est gingembre. This is the fresh ginger, guys. I'm adding the fresh ginger now. Ok? So, moi, je vais utiliser un pilon pour me décaper le gingembre parce que c'est un gingembre qui frélie. Lorsque fait recipe ça, zami, moi toujours use ingrédient qui frais, il tape bon pour qu'il y ait un bagage qui déjà qui tu prépares dans une boîte. I'm adding the gloves now. Moi mettez girofle, moi mettez yon qui a café girofle dans ça. Tout bagage ça c'est des ingrédients qui pral
Pour consommer là pour faire si ouais, I'm adding un nutmeg, m'a mettez un petit pudge et m'a gagé un petit muscade là-dedans. Tout ça au muscade là chauffé pour moi, like girofle là, tout pareil ça au bon. Sauf, oh my God, bon pas parler, ok, bon pas parler. C'est pas seulement le cas docteur Badou, tout le monde ne guérit pas là, tout c'est sèche, non. Il y a aussi un sirop qui est en espagnol, qui est en mexicain, il est vraiment bon. Like, il help you a lot with the thing, but you don't find that sirop in the market. I mean, easy, you don't get it. It's like, I think it's, they even banned that in USA, so you can get it. So, il y a aussi un sirop qui est bon pour ça, but bah, ça y est banned in America. Ou pas qu'à jouer facile. C'est pas un haïtien qui nous connaît qu'à l'Haïti qui peut te bagasser. Donc, des petits mouns n'ont pas de poussière. Mais ça, quand je mets un petit cuillère bois en chèque, un petit cuillère chèque en crème là-dedans. So, I add 1 tablespoon of brown sugar in there, guys. Et si vous n'avez pas de sirop miel là, tout, ou qu'à y chèque en crème là, qui pas un problème. Mais si vous miel là, puis bon, si vous miel là, puis deux. Pour y décoller là vraiment bon dans le récipient. Toujours le fond récipient, toujours fait avec tout ingrédient ou mon fait là, parce que bon pour qui ça, on mettez là-dedans, tout gain valeur, tout gain utilisation, pas là, ok? Ouais, j'en ai commencé à bouillir, j'en ai réduit là, j'en ai fait un sirop, ok? On va quand même mettre sirop miel là-dedans. So, j'avais dit tout oignon, tout citron, tout a bien bouilli, ok? On suppose réduire différents tout petit l'eau à faire couvrir pour bien tout faire. So guys, you have to reduce your heat, let it cook like in the medium, ok? So now, I think everything already like cooked, but I'm gonna add my honey now. Don't forget to add a pinch of salt. Pas oublier pour nous mettre un petit pincé sel là dans tout monde. Un petit pincé sel, pas en pile, un petit pincé sel. Son femme qui est dans la cuisine depuis le pincé sel que tu connais et un petit qui ça pour faire. So, nous pas mettre du sirop miel nous mes amis. Toujours dis nous ça, santé nos têtes, nous ça c'est oregano. On peut relever ça. Yo, il est ça basilic. Pas qu'on est celui le basilic là. On a ici oregano. I just add my oregano in there. And sage. Quoi, sage qui basilic? I don't know. And I add some sage powder in there. I add oregano powder and sage powder in there too. Pinch of salt. This is not a pinch. Ça fait un peu c'est lourd. So, on va le boire, c'est l'icône. Ça veut dire si on a déjà fait là. Ce que je vais faire après là, c'est mettre si au miel là-dedans. Mettre si au miel là-dedans. Il y a un petit goût à main parce que pas oublier si ton a toute peau. So, tout ça, on va concentrer, la fini tout girofle, mettre là-dedans. Poivre. On qui est si au ça? Ça vaut plus que un médicament qui capé plus quoi qui va la même faire pour, ok? Ça c'est un très bon haïtien, haïtienne, ok? Haïtien avec haïtien qui parle là, ok? Nous connaissons la déjà mes amis, ok? Besoin de nous connaître avec les cousins, ok? So, ça va faire la bol, ça va faire la couler la bol, la guys. I'm gonna use the bowl and I'm gonna get the strainer and remove all the cinnamon stick and everything in there so I can have my remedy ready. So now kuna la ma koule li mes amis nou gen tan wè meni. Meni. Pa ganyen komplike la pou pa ka fè. OK? Chanel sa pa un chanel ki pou ki fè remedy, but nta ti ma fèl ti pit mwen tap pèdi etal nan dekè la bagay m di you know what? Pou ki sa m pa jes rekòde li on paran un maman petite, un monde qui a fait lui et puis il a aidé et puis venez commenter avec bon venez bon venez dire là c'est venez bon venez dire ça qui passe, ok? Là c'est toute ma, we're not gonna use that, we're gonna throw that away. What we need is the one in the bowl, the syrup, that's what we need, ok?
Ça nous besoin de sirop qui n'en bol la man ou j'ai nous pas besoin. So, non, je vais mettre plus de sirop miel là-dedans toujours parce que je ne vais pas tellement mettre un peu de sirop pour tout paille d'avoir le prendre sirop. So, what I did, guys, I didn't really add a lot of syrup while it was cooking because I didn't want all the lime and garlic and ginger get all my syrup. So, now I'm adding a bit of syrup in there. A little bit extra, okay? A little bit extra. That's organic. Okay? So, make sure you use 100% sirop miel, okay? Ce qu'on a là, m'a bien brassé là. Et puis, je vais prendre qui est pour moi. Vu ça, tout le monde là quand même là. Tout le monde, si mon yon baio, mon yon baio, un petit spoon. Like, il est vraiment bon, ok? Mais ni, pas rien compliqué là, mes amis. Même si c'est pas un channel cuisine, un channel cuisine, moi, gain, but ça, c'est tout le bagage qui est dans la cuisine. Moi, je vous aime pas, vous êtes dans qui va faire partie des cuisines, ok? Nous gagnons là, yo chita. Là dans le cabinet nous so nous café ok mais j'aime café là nous café tout ok mes amis thank you guys I hope you guys do the remedy come back and let me know ok thank you don't forget to subscribe and then pas oublier pour abonner avec channel là le petit bagage ça y a un monde qui a aidé ou qui a pas besoin lui mais il y a un monde qui besoin lui moi même nous en pile passez une bonne journée ou bien une bonne nuit ça dépend qui l'a regardé. Non, ouais, non, l'autre recipe encore, mais pas oublier son manger.